Viens, celle-là chante pire que moi. Viens, on va voir qui est la courageuse qui ose chanter comme ça. Mariana? Mesdames et messieurs, je vous présente la sœur de l'homme qui m'a quittée, Anna Lorena Rincon. Anna, salue ton public. Des applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Applaudissements. Ah, qu'est-ce que j'ai touché? À cause de ces stupides larmes, j'espère que c'était quelque chose et pas quelqu'un. Ah, oh non. Vous êtes aveugle ou quoi? Et toi, comment veux-tu que je te voie si tu te caches, hein? Qu'est-ce que tu faisais planqué là? J'en sais rien. En ne vous maquillant pas dans le rétroviseur, comme font toutes les femmes. Oui, oui, je suis une femme, comme tu vois, et j'utilise mon rétro pour me maquiller parce que j'en ai envie et que je fais ce que je veux. Wow, wow, wow. Madame, ne vous mettez pas dans cet état. Calmez-vous, c'est pas grave. En plus, vous avez raison, c'était ma faute. Calmez-vous, s'il vous plaît. Ça va? Tu peux dire ce que tu veux, mais je n'arrive pas à croire que ta vie ait tant changé. Si tu savais, ma chérie, il n'y a absolument rien de comparable. Tu n'imagines pas comme ma plage me manque. La mer, ici le salpêtre lave tout. Là-bas en ville, il n'y a pas assez de salpêtre pour nettoyer toute l'amertume. Hé, hey, dis donc toi, tu n'aurais pas laissé là-bas un cœur brisé des fois? Non. Je l'ai emmené avec moi. La mer guérira mes blessures. Tu n'imagines pas comme je te suis reconnaissante de m'accueillir dans ta maison. Ah, arrête, Consuelo. Tu n'as pas à me remercier. Je te rappelle que tu as sauvé la vie de ma petite fille. J'en suis reconnaissante. Crois-moi, ma chérie. C'est la meilleure dépense que j'ai jamais faite de ma vie. Elle est là. La mère la plus affectueuse, la plus douce, la plus aimante et gentille de toute la Californie. Regardez comme elle est belle. Voici Consuelo Perez. Qui va lui offrir des fleurs? Qui va la couvrir de cadeaux et de bisous? Oh, les Gario Perez. Non mais... Merci. Merci. Tenez. C'est un thé au tilleul pour apaiser les nerfs et bien sucré, pour vous redonner des forces. Tout Jésus, quel beau gamin. Vous n'aimez pas? Le thé? Si. Mais le sucre, non. Le sucre me fait grossir. Peut-être, mais vous en avez besoin pour reprendre des forces, allez. Oui. Je me suis surtout fait une grosse frayeur quand je t'ai renversée. Pardonne-moi, d'accord? Non seulement j'ai failli te tuer, mais en plus, je me suis mal comportée avec toi. Non, non, non. Celui qui doit s'excuser, c'est moi. J'étais baissé et vous ne pouviez pas me voir. Pardon d'avoir été si grossier, je suis pas comme ça. Non, ne t'en fais pas. En vérité, j'étais distraite parce que... Je viens de finaliser mon divorce. Et même si on est d'accord, ça affecte toujours, non? Bah oui, oui. J'imagine, d'ailleurs, on n'est pas si différents. Je n'ai rien signé. Je me suis séparé hier soir. Alors j'étais ailleurs. La soirée d'hier a été très pénible pour moi. Je suis désolée pour toi. Mais, s'il te plaît, parle-moi de toi. Tu me fais sentir vieille alors qu'en fin de compte, moi aussi, je vais étudier ici. D'accord. C'est royal. Oui, également. T'as du sang royal? Non, non. Non. Non, pardon. Non. Je veux dire, je suis également désolé. Compte tenu des qualités exceptionnelles de Monsieur Olegario Perez, qui était pauvre lorsqu'il est parti de notre village, et qui revient
riche et en homme d'affaires couronné de succès, il a été décidé à l'unanimité de le nommer invité d'honneur et de remettre les clés de notre village à Monsieur Oligario Pérez. Bravo, bravo. Merci. On m'entend ? Merci beaucoup et... Sincèrement, je m'attendais pas à un tel accueil sur ma terre natale. Mon discours sera bref parce que je suis un homme de peu de paroles. Mais avant, je voudrais me souvenir de mes années sur ces merveilleuses plages. Je voulais... Oh, Oligario ! Oligario, descends de là. S'il vous plaît, des applaudissements pour ma sainte mère qui est émue de joie. Bravo ! Bravo, Madame Consuelo ! Mais je ne suis pas émue. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Messieurs, dames, cet homme devant vous, riche comme Crésus, n'est autre que le petit morveux que vous avez toujours connu, pêchant du matin au soir. C'est le même jeune coq qui a connu la pauvreté dans notre village. Celui-là même qu'on ne saluait pas, parce qu'il était pauvre à en faire mal. C'était votre cas aussi, monsieur le maire. Ah, que se passe-t-il, madame Consuelo ? Le passé, le passé ! Il se passe que c'est grotesque, monsieur. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cet hommage ? Hein ? Hériter d'une fortune sans lever un doigt ? Eh, hey, maman, tu ne m'aides pas ? Tu ne vois pas que je fais tout ça pour toi ? Pour moi, non, mais tu plaisantes ? Tout ce qui t'intéresse, c'est de venir t'exhiber devant le village. Tu voulais revenir ici pour te vanter d'être devenu un homme riche et en mettre plein la vue à trois pelés et un tondu ? Ne viens pas dire que c'est pour moi. Ne fais pas attention, Consuelo. Ne fais pas attention. Monsieur Lujan va vous recevoir. Si vous voulez vous asseoir. Merci. Le plus grand tourment de ma vie a été finalement découvert. Je vais finir en prison. Et ce cycle de ma vie rempli de mensonges va prendre fin. Mais si Mariana continue de me haïr, le pire reste à venir. Que va-t-il se passer quand elle apprendra que je ne suis pas sa vraie mère ? Entrez, Prudencia. Monsieur Lujan, mais en fait, je préfère rester debout. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous comptez faire de moi. Le plus logique serait de vous faire payer ce que vous avez fait à ma famille. Qu'est-ce que tu fais là ? Est-ce que tu me suis ou quoi ? Mais pas du tout, ma grande. Je suis entrée parce que j'entendais tes beuglements depuis l'extérieur. D'ailleurs, t'es Mariana ou Marie-Josée ? Parce qu'il s'est bien fait avoir par les deux. Enfin, on s'est tous fait avoir. Et toi ? T'es une sainte, non ? T'as même fait un séjour en prison. D'accord. T'es Mariana, parce que je crois pas que ta jumelle soit aussi agressive. Tu vois la différence qu'il y a entre nous et nos erreurs ? C'est que je suis innocente et que toi, t'es coupable d'avoir menti à mon frère et à tout Tais-toi. Le monde. Arrête. Tais-toi à la ferme, c'est pas de ma faute, tais-toi. Écoute, Mariana, arrête de jouer les victimes, ça ne te sert plus à rien. C'est toi qui as mené ton mari en bateau. Allez, partons, Laurée, ça n'en vaut pas la peine. Oui. Ouais, t'as raison, Romina. Dégagez, dégagez, fichez-moi la paix. Fichez-moi la paix, bande de vipères. Arrête. Bien. Mariana, je crois que tu es assez saoule comme ça et qu'il est temps de rentrer chez toi. Non. Non, tu plaisantes, je veux danser. Je veux danser encore, je veux danser jusqu'au bout de la nuit. S'il te plaît. J'accepterai de bonne grâce tout ce que vous déciderez, monsieur Lujan. Je pourrais dire n'importe quoi. À vos yeux, je ne cesserai pas d'être la femme qui a volé votre sœur. Mais je ne peux pas faire autrement. Dites-moi un peu, Prudencia.
Qu'est-ce qu'il faut avoir dans la tête pour voler un nouveau-né, hein? Je l'ignore, monsieur, en vérité, je... C'est que je n'aurais jamais pensé être capable de faire quelque chose comme ça. Mais la vie m'a refusé le bonheur de... d'avoir un enfant. Et ensuite, elle m'a mis ce petit être dans les bras dont personne ne connaissait l'existence. Mais c'était pas la vôtre. C'était celle de ma mère. Mais elle ne la voulait pas. Cessez de répéter ça. C'est la vérité. Je sais que pour vous, ça doit être très difficile à accepter. Et que peut-être, vous n'allez jamais me croire, mais pourtant... Pourtant, c'est vrai, monsieur Loran, votre mère avait déjà pris la décision de laisser le bébé à votre père. Et bien entendu, elle n'avait pas l'idée qu'elle allait en avoir deux. Voilà, c'est ici. Je te laisse. Merci. Merci pour quoi ? De t'avoir renversé ? Même si ça te paraît bizarre, oui. Merci d'apparaître dans ma vie et de me sortir du trou dans lequel j'étais. Pour un temps, au moins. Merci à toi, Santiago. On se verra bientôt. Quel adorable gamin! Laura, sois sage. Ah, mais vraiment, il est comme j'aime. Je crois que j'ai bien fait de reprendre mes études. C'était une bonne idée. Mais comment c'est possible, ça? Mais pas à notre époque! Je vous rappelle que ça s'est passé il y a plus de 20 ans. Et oui, les échographies existaient, mais... Mais votre maman... a quitté Narciso dès qu'elle a su qu'elle était enceinte et... elle n'a jamais revu de gynéco. L'accouchement s'est déclenché plus tôt, elle a fait une hémorragie et elle a perdu connaissance. Pauvre maman, qu'est-ce qu'elle a dû souffrir? Non, pas trop. Eh bien, c'est que parfois la nature est bien faite car elle a perdu connaissance avant d'avoir eu le temps de trop souffrir. Au moins, elle n'a pas souffert du vol d'une de ses filles. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Alors, bien, je vous laisse décider, monsieur Loran. Ah ! Qu'est-ce que tu peux être lourd, Benny ! Alors que je m'éclatais. Oui, moi aussi, je me suis éclaté. Mais c'est l'heure de dormir. Allez. Ferme tes petits yeux, essaye de dormir. Non, Mariana s'est montrée vraiment grossière avec moi. Elle est montée sur ses grands chevaux, très agressive si tu l'avais vue. C'est tout juste si elle ne m'a pas frappée. Oh, Seigneur Dieu! Et elle était avec qui? Avec un type, c'est lui qui l'a retenue pour qu'elle ne me frappe pas. Non, c'est une blague. Ça ne me paraît pas bon signe que tu l'aies vue avec un autre homme. Mais si, au contraire. Réfléchis, le mieux serait que Mariana tombe amoureuse d'un autre, elle ficherait la paix à Santiago une bonne fois pour toutes. Bien sûr, oui, tu as raison. C'est marrant, mais cette gamine ne m'a jamais fait bonne impression. Non, à moi non plus. Je disais rien parce que je voyais Santi heureux. Mais maintenant que je sais le mal qu'elle lui a fait, non, j'ai plus aucune raison de me taire. Oh, ma chérie. Je vais ouvrir. Anna Lorena. Toi, comment oses-tu venir chez moi après le show que tu m'as fait hier, hein? Quel culot elle a de venir ici après ce qui s'est passé. Chérie, je crois bien que c'était l'autre. Anna Lorena, c'est moi. Marie-Josée. Prudencia. Vous ne vous êtes pas rendu compte du drame que vous avez causé tout au long de la vie de mes sœurs. Eh bien, c'est que... Comment j'aurais pu imaginer que ces gamines tomberaient justement amoureuses du même homme? Mais ce n'est pas la question. Ça a été seulement l'élément déclencheur de toutes ces révélations. Ce que vous avez fait est un crime. Oh, je le sais. Et je reconnais être coupable. Alors faites ce que vous jugez bon, monsieur Loran.
Surtout ne t'énerve pas. J'ai toujours du mal à te croire. Pourquoi on s'est jamais croisé chez toi? Parce que je savais qui tu étais. Et quand tu venais, je t'évitais pour que tu ne me voies pas. Et qu'est-ce que tu veux, Marie-Josée? Santi n'est pas là et il m'a dit qu'il ne voulait pas te voir. Oui, j'imagine. Je sais que je suis autant coupable que Mariana, mais... je veux que tu saches que je suis très amoureuse de ton frère. Je l'aime de tout mon cœur. Anna, crois-moi, je l'adore. C'est peut-être vrai, Marie-Josée, mais après ce qui s'est passé, c'est fichu. Seul le temps nous le dira, mais j'ai confiance. Enfin, je suis juste venue apporter une lettre à Santi. Tu veux bien la lui remettre? Ok. Je lui donnerai. Merci. Et à combien est l'hectare par ici? Je voudrais savoir si j'investis dans l'immobilier ou dans autre chose. C'est vrai, monsieur Olegario? Bien sûr. Ce serait merveilleux pour notre village. De combien est-ce que nous parlons? Bah, je sais pas trop, mais pour commencer, comme, je sais pas, 1000. Oh, eh bien, c'est merveilleux. On fait le calcul maintenant. Non, moi, le calcul, c'est pas mon truc. Pour ça, j'ai mon avocat, Yagnès. Wouhou! Yagnès. Yagnès! C'est noyé, mon avocat. Oh mon Dieu! Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Mais regarde! Tu sais, pour être honnête, je sais pas si je vais lui donner la lettre de Marie-Josée. Si, chérie, sans aucun doute. Cette lettre doit arriver à son destinataire. Rappelle-toi ce qui est arrivé à Roméo et Juliette parce que le message n'est pas arrivé. Toi et tes exemples, maman. Mais t'as raison. T'as raison, je vais la lui donner. S'il la lit pas, c'est sa décision. Et en plus, je sais pas pourquoi, mais Marie-Josée ne me déplaît pas. Ce n'est pas parce que c'est la sœur de Diego? C'est aussi la sœur de Legario. Tu sais, je la connais pas, mais je sens que c'est une bonne personne et qu'elle aime vraiment Santi. Et moi, c'est pareil, chérie. Je ne la connais pas beaucoup. Mais quand elle venait à la place de Mariana à la maison, je sentais qu'elle était plus sincère, figure-toi. Je me demandais même, qu'est-ce qu'elle a cette gamine aujourd'hui pour que je l'aime bien? Et pour que d'autres jours, je la déteste? Je te promets que je ne te laisserai plus jamais seule. Oh, merci, Benny. T'es un super pote. Mariana. Non, Yagnès, ne meurs pas. Écoutez, Yagnès. Cet homme doit avoir besoin de bouche à bouche. Sérieux? Ah non, déjà, il a fallu que je sorte de l'eau. Il manquait plus que ça. Moi, je connais les gestes de premier secours. Alors, vas-y. Attends, attends, écarte-toi. Écarte-toi. Quel profiteur. Ce gars-là, ce qu'il lui faut, c'est un bon coup de bouteille sur la tête. Mais si, non, mais non, si. Non, 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 pas trop, je suis vivant. Non, ah, ça va. Je t'ai pris la main dans le sac avec la petite brune, espèce de cochon. Tu ne pouvais pas attendre ne serait-ce qu'une semaine avant d'emmener un type dans mon pieu. Ah, Santi, tu es rentré. Qu'est-ce que tu attends, Benny, pour t'en aller? Tu ne vois pas que mon mari est là? Excuse-moi, Santiago, c'est pas ce que tu crois. Laisse-moi t'expliquer. Tais-toi! À moi, tu ne m'expliques rien. Je t'en fais cadeau, cette meuf ne vaut rien. Non, non, Santi, ne me dis pas ça. Benny m'a raccompagnée parce que j'étais saoule. Mais mon amour, toi, tu es mon époux. Ni époux, ni rien. Calme-toi, Santiago. Je t'ai déjà dit de la fermer. Ça, t'aurais dû y penser avant d'interchanger avec ta sœur et de mettre un type dans mon pieu. T'aurais au moins pu aller à l'hôtel. Enfin, Santi, ce n'est pas ce que tu crois, Santi, écoute-moi. C'est vrai, Santiago. Non. Ah non, ce n'est pas ce que je crois. En fait... Écoute, je suis venu ici pour éclaircir un doute que j'avais, mais j'en ai plus aucun. Santi, je t'en supplie, pense pas de mal de moi, Santi. Je te jure qu'il n'y a jamais rien entre nous. Il n'y a rien entre nous, Santiago, rien de rien. La ferme, je t'ai dit. Qu'il y ait quelque chose ou pas, ça m'est égal. Ok, parce que toi, pour moi, tu n'es plus rien. Non, Santi. Je te souhaite du plaisir. Santi. Mariana. Santi. Mariana. Santi. Ah, monsieur Diego, grâce à Dieu, vous êtes rentré. Parce que je suis drôlement inquiète pour Ramona. Elle n'arrête pas de prier et de pleurer depuis qu'elle a reçu cet appel.
Et cet appel, elle l'a reçu sur son portable ou sur le téléphone de la maison? Non, ici, sur celui de la maison. Mais où il est? Il est là, je vous le donne tout de suite. Voilà, tenez. Vous ne voudriez pas rappeler pour voir? Je vais rappeler. On dirait un numéro européen, en tout cas étranger. Qui ça peut bien être? Oh, comment je pourrais savoir? Mais appelez, allez, pour comprendre pourquoi Ramona est dans cet état. Et moi, je ne sais pas parler européen. Allez. Ramona? Non, je suis Diego Luján. Qui est à l'appareil? Allô? Allô, qui êtes-vous et pourquoi avez-vous appelé à mon domicile? Est-ce que t'as vu comment la municipalité m'a donné les clés du village? Tu te rappelles qu'avant, il ne me saluait même pas. C'est ce que je veux te dire, Olegario. Maintenant, les gens te fréquentent pour ton argent. C'est pour ça qu'ils sont si attentionnés et lèche-bottes avec toi. Ouvre les yeux, fiston. Eh bien, c'est pas grave, maman. Je préfère ça à la pauvreté. Carrément. Moi, ça me plaît bien que les gens me lèchent les bottes. Et ça me plaît bien de leur faire envie. Oui, c'est vrai, j'aime gaspiller. J'aime gaspiller. C'est pas une maladie. Si ça embête quelqu'un, tant pis. Et en parlant de gaspillage, je vais faire un don à l'école où j'ai étudié. Yagnès, on y va. Blas, on y va. Tu me donnes la bénédiction, maman. Allô? Raccroché. Non, c'est pas vrai. Et ils ont dit qui c'était? Non, c'était une voix de femme. Elle pensait qu'elle allait parler à Ramona, mais elle n'a pas dit son nom. Alors ça, c'est pas bon signe. C'est bizarre, vous ne trouvez pas? Si, mais qui pourrait contrarier autant Ramona? Et pourquoi? C'est vrai, Ramona, elle est bonne comme le pain, elle ne fait de mal à personne. Oui. J'ignore encore qui c'est, mais je te promets que je vais vite enquêter. L'attitude de cette gamine me sortait par les yeux. Qui aurait pensé ça? Mais bon, heureusement c'était ça et on ne nous a pas mis en prison. Tais-toi, tais-toi. Ne parle pas de ça. Dis-moi plutôt ce que tu penses des manières des sœurs jumelles. Non, mais je comprends mieux. C'est pour ça que certains jours, Marie-Josée se comportait comme une mal élevée. Tu te souviens? Bien sûr. Comment l'oublier? Elle est allée faire équipe avec Consuelo. Elle mangeait comme une condamnée à mort. Comment oublier ça? Pendant tout ce temps, dis-toi que c'est la sœur jumelle qui vivait avec nous sous le même toit. Quelle horreur! Il va bien falloir, Vivi, que tu t'y habitues, parce qu'à n'importe quel moment, ce parasite va s'installer ici. Et tu sais quoi? Toutes les deux, on sera bien obligés de la supporter. Et le pire de tout, c'est que Diego est d'un ridicule avec les affaires familiales. Oui, Vivi. Chaque jour, ton héritage et celui de ton gosse se divisent et se divisent en plus de parts. Et maintenant quoi? Oh, oh. Quoi? Vivi, c'est Lisandro. Oh non, s'il te plaît. Non, non. Hé, attends! Tiens, c'est de Marie-Josée. Mais pourquoi t'as fait ça? Je ne veux plus rien entendre de celle-là. Aucune des deux. Est-ce qu'elle lui a donné ma lettre? Est-ce qu'il l'a lue ou est-ce qu'elle ne lui a pas donné? Elle lui a donné et il n'a pas voulu la lire. Ah, quelle angoisse! Quelle angoisse de ne rien savoir! Oui? Je peux? Oui, vas-y, entre. Maria, est-ce que tu sais ce qui se passe avec Ramona? Non. Non, pourquoi? Parce qu'elle a reçu un appel de Paris et la pauvre en est bouleversée. Quelqu'un la harcèle pour la rançonner, lui faire du mal, et je ne sais pas, mais elle est en pleine dépression, c'est horrible. Non, Diego, je ne sais rien. Et toi, comment est-ce que tu as su? Parce que Carmela m'a prévenu. Il paraît qu'elle est comme ça depuis qu'elle a reçu l'appel. Alors j'ai regardé dans le téléphone et j'ai vu que c'était un numéro de Paris.
J'ai appelé et on a raccroché. C'est étrange. Non, je sais que sa famille est à Cuba, mais... Qui ça peut être? J'en sais rien. Pauvre Nana. Bon, et comment tu te sens avec l'histoire de Mariana? Mal. En fait, c'est encore pire que ce à quoi je m'attendais. Les deux me détestent. Santi et Mariana. Bien, Marie-José. J'ai parlé avec Prudencia aujourd'hui et j'ai pris la décision de l'attaquer en justice. Non, non, Diego, tu y gagnerais quoi? S'il te plaît, ne l'attaque pas en justice. Pardonne-lui. Non, ça m'est impossible. Et je ne comprends pas ce qui te prend avec cette femme. Elle a enlevé notre sœur, elle a profité de l'inconscience de notre mère et elle l'a emmenée. Et ça, c'est impardonnable. Santi, désolée, je t'ai dit que personne t'embêterait et je suis la première. Mais... je crois que tu devrais lire cette lettre. Pas question. Je ne veux rien d'elle. Pourquoi je la lirais? Pour entendre plus de mensonges? Ou peut-être te consoler un peu? Non. C'est bon, j'ai ma dose. Je suis allé parler à Mariana et je l'ai trouvée au lit avec son chef. Quoi? Je peux pas le croire. Eh ben, crois-le. Je l'ai vu de mes yeux. Et c'est trop. C'est too much. Vraiment too much. Santi, je sais pas quoi te dire. Mais je crois que tu devrais lire cette lettre. Peut-être que Marie-Josée est complètement différente. Mais au moins, tu dois savoir pourquoi elle a fait ça. Je t'aime. Je suis ici pour rendre à Mademoiselle Mariola, qui m'a introduit dans le merveilleux monde de la connaissance et du savoir, ce qu'elle a apporté dans ma vie, bon sang de bonsoir. C'est elle qui m'a poussé à être un entrepreneur prospère et brillant et très beau. Santi, je t'écris cette lettre pour te remercier. Parce que je n'ose pas te demander pardon. Oui, Santi. Je veux te remercier pour les moments les plus heureux de ma vie. Parce que ces instants passés avec toi ont été merveilleux, même si, d'une certaine manière, ils ne me correspondaient pas. Dieu a souhaité me les offrir comme une forme de bénédiction. Et je ne sais toujours pas pourquoi. C'est comme une bénédiction, et c'est comme ça que j'ai pu être la plus heureuse des femmes à tes côtés. Merci, Santi. Pour l'amour, la chaleur, l'empathie, l'affection et la douceur avec laquelle tu m'as aimée. Bien que je savais que je n'avais droit à rien. C'était un amour emprunté, qui a dépassé mon âme et qui a rempli tout mon être d'un immense bonheur. Comment tu peux dire ce genre de choses? Quel cynisme. Je tiens à te remercier pour tout cela et je te dis adieu. Je sais que pour l'instant tu n'es pas prêt à me pardonner, mais j'ai l'intime conviction que tu le feras un jour. Parce que tu es un homme bon. Merci de m'avoir appris ce qu'est l'amour. Marie-José. Avant de remettre ma généreuse donation,
J'aimerais faire un bref récapitulatif de mes meilleures et heureuses années à l'école. Alors là, c'est foutu. On est bon pour dormir ici. Installez-vous confortablement, monsieur le maire. Ça va être long. Quand moi j'étais gosse, il était père. Alors maintenant, il doit être au moins... grand-père, qu'est-ce que je raconte? Arrière-grand-père du village, ça c'est sûr. Je n'en peux non, plus. Non, fiston, je ne veux pas te laisser seul. Ce dont tu as besoin, c'est d'un énorme câlin. Aussi énorme que la douleur que tu ressens. Je n'en peux plus. Je suis en colère et j'ai tellement honte. Tu n'as pas à avoir honte, Santi. Bien sûr que si. Je suis un crétin qui s'est fait avoir comme un môme. Je n'en peux plus, Lorraine. Mais si, tu peux. Tu peux gérer ça. Chérie, écoute-moi bien. Bien que pour l'instant, ça te semble impossible. Crois-moi, tout ça va passer. Tout. Et ça aussi finit par passer. Quand tu t'y attendras le moins, toute cette douleur et cette colère que tu ressens auront complètement disparu. Et de nouveau, tu verras la lumière. Et une nouvelle vie commencera, chérie. Et en attendant, on sera tous à tes côtés, Sanji. Alors, voici maintenant ma donation. Pour la primaire et tous les saints. Et voilà. Pour qu'on voit qui je suis et qu'on l'accroche à l'école. Pour toutes les générations futures. Non, non, non. Je ne pensais pourtant pas avoir à te tirer par l'oreille aujourd'hui, mais attends que je t'attrape, vois... les gariots. Maman. Imbécile. Tu es plus beau chaque jour, Alex. Merci beaucoup, mon amour. Ouf, t'es pas mal non plus, mon amour. Tu es magnifique. Un super câlin. Hé, hey, tu penses à quoi? Ce qui m'embête, c'est le manque de communication des Lohan. Qu'est-ce qui va se passer? Aucune idée. Ce sont des gens vachement compliqués. Quand ils font quelque chose, eh ben, ils font autre chose, mais ils se mettent toujours dans les problèmes. C'est ce qui me gêne. Avec des gens comme ça, on ne fait pas de bonnes affaires. On devrait peut-être chercher une famille qui a moins d'histoire, je crois. T'es folle ou quoi? Et qu'est-ce qui te prend, là? Non, Robin, j'ai investi beaucoup de temps et d'argent et beaucoup d'efforts. Et n'oublie pas que je détiens une arme très puissante. L'enfant que Vivi est en train de porter. Ça, c'est sûr, c'est un argument. Mais et moi, Alex? Ce crétin d'Olegario n'est jamais au bureau. Et là, il n'est même pas en ville. Je n'ai pas pu avancer d'un millimètre avec lui. Vous avez... l'argent? Oui. Ça y est, on a l'argent. Tiffany, pourquoi tu lui dis qu'on l'a? Ah, Vivi, tais-toi, je sais très bien ce que je fais. Je te donnerai l'argent personnellement. Je ne veux pas faire un virement, parce qu'il pourrait le retracer. Ne joue pas avec moi. Tu sais bien que je ne suis pas un mec commode. Ne joue pas avec moi. Tu sais que je ne suis pas un mec très facile. Je ne joue pas avec toi. Je te donnerai l'argent personnellement. Dis-moi où tu es et arrête d'appeler. Maintenant... et voilà notre lieu de rendez-vous, ici. Il vaudrait mieux que tu viennes. Ok. C'est bon. Tiffany, ne me dis pas que tu penses vraiment aller le retrouver. Mais si, Vivi. Bien entendu que je vais aller le retrouver. Mais je ne vais pas lui donner d'argent. Pourquoi alors? Je vais l'éliminer. Qu'est-ce que t'as dit, Tiffany? Ce que tu as entendu, Vivi.
Quelle partie tu n'as pas compris? Je vais éliminer Lisandro. Mais est-ce que tu es folle? Est-ce que tu parles sérieusement? Ah, s'il te plaît, Vivi, tu crois que je plaisanterais avec quelque chose d'aussi sérieux? Eh bien non, mais... je ne m'attendais pas à ça de toi. Est-ce que tu es sûre de toi? Tu te sens vraiment prête à faire ça, Tiffany? Je ne comprends pas, Vivi. Pourquoi ça te surprend? Je dois faire quelque chose. On doit sauver notre peau. Si Lisandro reste en vie, à tout moment, il peut nous balancer. Il va tout raconter à Diego. Je dois le faire, Vivi. Sinon, on va devoir payer jusqu'à la fin de notre vie. Ce serait trop cher, tu comprends? On n'a pas le choix. On doit l'éliminer, Vivi. Et je vais m'en charger. Il faut l'éliminer. Je t'apporte de la soupe. Ça va te faire du bien. Laurie, j'aurais dû me rendre compte de ce qui se passait. Allez, arrête d'y penser tout le temps et mange. Ça va te faire du bien. T'as rien avalé depuis hier. C'est que j'essaie d'analyser la situation. Je crois que la première fois qu'on a fait l'amour, c'était Marie-Josée. Et que celle qui s'est mariée avec moi, la mairie, c'était aussi Marie-Josée. Elle est arrivée tard, tu te souviens? Et pourquoi tu penses que c'était elle? Son allure. Sa façon d'être. De parler. Et voilà. Nous y sommes, l'humble demeure de la famille Louran. Hein? Tu veux dire ma famille? Tu en es très fière, on dirait. Oui, qu'est-ce que tu crois? C'est mon tour d'être fière de quelque chose dans la vie, non? Mariana, est-ce que tu es sûre de bien vouloir vivre avec ta sœur ici après tout ce qui s'est passé? C'est précisément pour ça que je le fais. Je vais quand même pas rester toute seule chez moi, sans ma mère, sans mari, et pauvre en plus. Ça va, j'ai autant le droit que les autres de vivre dans ce palais. Mariana, tu te souviens quand je t'ai raconté que je pigeais rien du tout? Et que je trouvais que Mariana avait une double personnalité? Oui, bien sûr, mais... mange un peu, Santi. Ça va refroidir et ce sera plus bon. Allez, vas-y. C'est bien. Je me souviens très bien quand tu me disais que la relation entre Mariana et toi, c'était pas top. Je crois que c'était quand j'étais avec Marie-Josée. Que c'était le top. Et que c'est avec elle que je nageais dans le bonheur. Tu te rends compte? Je ne sais même pas avec qui je me suis marié à la mairie. Je crois que celle qui m'a aidé à entrer à l'université et m'a acheté les livres, c'est aussi Marie-Josée. Parce que Mariana, elle s'en est toujours fichue. Ah, c'est pas vrai, mais qui donc vient sonner à cette heure? Tu vas te taire, Carmela va ouvrir. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous en faites des drôles de têtes? Non, il ne se passe rien, Diego. Je n'ai pas réussi à fermer l'œil. Une insomnie. Ramona, que fait Marie-Josée? Marie-Josée? Aucune idée. Ah ben la voilà. Je suis là. Salut, amour. Salut. Oh, vous en faites une tête, toutes les deux. Ah, c'était Mademoiselle Marie-Josée. Oh, j'hallucine. Bonjour, la famille. Je suis arrivée. Je vais devenir cinglée, Laurie. En tout cas... je crois que tu vas avoir besoin d'une aide professionnelle. Sinon, tu vas avoir beaucoup de mal à t'en sortir. Une aide professionnelle? De quoi est-ce que tu parles? De voir un psychologue, Santi. Quand ton corps est malade, tu vas voir le médecin, et si ton problème est émotionnel, tu vas voir un psychologue. Tu dois essayer, tu n'as rien à perdre. Mes affaires sont là, dans l'entrée. Emmène-les dans ma chambre et... ne me mets pas à côté de Marie-Josée ou de Skeletor, hein. Ah oui, je vous ai déjà rencontrés.
C'était vous, la furie, qui mettiez le bazar partout. Sacré bout de gras. Ah, c'est bien que toute la famille soit enfin réunie. Parce que je viens prendre possession des lieux qui me reviennent en tant que Mariana Louran. Et la moindre des choses, c'est de m'accueillir chaleureusement. Bienvenue, Mariana. Quoi ? Ça pose un problème ? Aucun. Tu es ici chez toi. Je t'en prie. D'où sort cette gamine ? Comment se fait-il que personne ne sache rien de... Je vais tout expliquer, Nana. C'est un peu compliqué. On dirait que cette maison s'est transformée en authentique pension de famille, non ? Ah, Diego, tu ne crois pas que l'intégration de Mariana dans la famille devrait être progressive ? Peu à peu, tu vois, pour son bien à elle et notre bien à nous. Ben non. Et je vous demande de garder vos commentaires pour vous, ok ? Je veux que vous l'accueilliez comme n'importe quel Louran de cette famille. C'est une Louran, comme moi, mon frère et ma sœur. Alors Mariana, tu es ici chez toi, et sans commentaire.